2021, c'est les 20 ans de la compagnie, c'est 20 ans de compagnonnage avec certains interprètes, c'est aussi bientôt 10 ans au CCN de Tours. J'avais envie de fêter cela avec une pièce particulière, une autre démarche de travail qui convoquerait différemment la créativité des interprètes. De réunir des danseurs avec qui je travaille depuis des années, mais aussi des nouveaux, des jeunes danseurs que j'ai rencontrés dernièrement à la formation Colline ou encore au CNDC. L'idée première de la pièce étant d'offrir en un spectacle mille et une danses d'hier, d'aujourd'hui et pour demain, d'évoquer et d'affirmer la diversité de l'art chorégraphique, des corps, de la danse et de ses pensées, de ses représentations. C'est comme une fête pour la danse, pour tous les corps dansants, sans barrage esthétique, sans a priori, mais une danse forte de ses différences. À travers des vagues dramaturgiques, musicales, qui traversent différents flux émotionnels. Nous sommes 15 danseurs au plateau, de 23 à un peu plus de 50 ans, mais dès le début du projet, j'avais l'envie d'inviter d'autres personnes, dans chaque ville et pour chaque représentation, des danseurs ou des amateurs, des gens qui aiment la danse. C'était surtout pour inviter d'autres corps, d'autres instincts, d'autres couleurs artistiques, d'autres âges, et pour partager la scène avec nous et avec le public. C'est pour moi important dans ce projet d'ouvrir le plateau. J'ai commencé à réfléchir à ce projet il y a quelques années maintenant. À l'époque, il n'y avait pas encore la crise sanitaire. Donc la situation actuelle, finalement, nous a permis de questionner autrement nos rapports aux autres et nos modes de transmission. La distance, la crainte du toucher, l'incertitude de pouvoir se rassembler autour d'un projet, enfin, toutes ces contraintes nous ont amenés à créer et à transmettre autrement. Elles ont énormément joué sur la notion d'interprétation. Elles ont renforcé l'importance du travail de l'espace et du temps, de l'écoute de l'autre. C'est la première fois que la compagnie vient jouer à Montpellier. En 2001, donc il y a 20 ans, j'ai dansé Pousse de Bernard Grandier sur la scène de l'Opéra Comédie pour une soirée qui lui rendait hommage, organisée par Montpellier Danse. C'était la dernière soirée de sa compagnie, la compagnie alentour, juste après sa disparition. Venir danser à Montpellier sur le même plateau 20 ans plus tard, c'est particulièrement touchant pour moi. Et l'ensemble de la compagnie est très heureuse de venir rencontrer le public de Montpellier. Nous attendons ça avec une grande impatience.